Nous avons lu le livre Simone Veil, écrit par Pascal Bresson et dessiné par Hervé Dupot. Pascal Bresson, dessinateur et scénariste, est né à Reims en 1969. Depuis 25 ans, il habite à Saint-Malo. Pascal a appris le métier dès l'âge de 12 ans auprès des deux maîtres du 9e art. Il a publié plus de 40 bandes dessinées et livres pour la jeunesse et a été récompensé pour son travail par plus de 15 prix dans le Grand Prix public BD européen des médias en 2015. Hervé Dufaux, dessinateur, est né à Créteil en 1972. Après des études en communication visuelle, il travaille comme graphiste dans la publicité. Aujourd'hui, il partage son temps entre l'enseignement des arts graphiques et la bande dessinée. Il vit à Paris mais conserve des attaches creusoises. C'est une BD biographique de Simone Veil qui retrace deux moments forts de sa vie. La période passée au camp de concentration d'Auschwitz, ainsi que la mise en place de sa loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Dans cet ouvrage, il y a différents flashbacks en différentes couleurs. La couleur bleue représente la vie politique de Simone Veil. La couleur jaune correspond au flashback d'avant le camp de concentration, quand elle avait 17 ans. Simone Veil est juive, elle est déportée au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne avec sa mère et sa sœur. Son père et son frère sont dans un autre camp. Avec sa sœur, c'est la seule survivante de sa famille. La couleur grise, elle, représente des passages de sa vie avant le camp de concentration. Elle a fait des études de droit et est devenue magistrate. Elle a eu une carrière politique et a été ministre de la Santé. Elle a mis en place la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce n'était une épreuve facile. Les députés s'y opposaient, l'insultaient, la menaçaient, mais pas que, quelques citoyens aussi. Elle a défendu principalement le droit des femmes. Simone Veil est décédée le 30 juin 2017 et est entrée au Panthéon le 1er juillet avec son mari. Maintenant, nous allons vous présenter notre avis. La BD Simone Veil est un ouvrage qui m'a plu. C'est un livre très intéressant. On apprend de nouveaux éléments sur la Seconde Guerre mondiale, l'extermination des Juifs en Europe, comment une loi se met en place. C'est un livre qui parle d'une grande femme très connue qui est Simone Veil. On a tous entendu au moins une fois dans sa vie son nom. C'est une grande dame qui a fait beaucoup de choses. C'est un livre qui donne envie de lire par sa première page de couverture. Les couleurs du livre sont super, chaque couleur correspond à un passage de sa vie, ce qui me permet de ne pas nous perdre pendant la lecture avec des flashbacks. Les dessins du livre sont propres et beaux. Du livre, c'est sa taille. C'est pas une très grosse BD, elle se lit rapidement et facilement. J'ai adoré cette BD personnellement, je n'aime pas lire, mais en revanche, j'ai bien aimé lire cet ouvrage. C'est un livre que je conseille à tout le monde, même aux non-lecteurs. Tout le monde peut aimer ce livre. Le livre est très intéressant, facile à lire et à comprendre. Il revient sur deux parties de la vie de Simone Veil. Il entraîne plusieurs émotions. Surprise quand on voit comment ils sont traités par les soldats nazis, quand on voit les lois mises en place contre eux et enfin quand on voit qu'ils sont déportés sans raison. La BD nous fait ressentir aussi de la tristesse quand il raconte les conditions de vie pour les Juifs et qu'on sait que ses parents sont morts.